séance de sport ensemble. On avait déjà fait une au confinement dernier. Moi, c'est Benjamin, je ne sais pas si vous vous rappelez, et je suis avec Oksana. Voilà. Bon. On va commencer par trottiner comme ça en place, et puis je vous explique au fur et à mesure la séance. Moi, je vais m'arrêter, d'accord? Toi, tu vas continuer, et puis je vais montrer le mouvement. Mon but à moi, ça va être de prendre une de ces chaussettes, hop, et de les mettre dans mon panier le plus vite possible. Et elle, son but, ça va être de prendre mes chaussettes dans mon panier et de les mettre dans son panier. Tu prends dans celui-là pour mettre dans celui-là, et moi je prends dans celui-là pour mettre dans celui-là. D'accord? C'est parti! Hey, petite chose! Hey! On fait une par une! Allez, allez, j'ai pas fini! Voilà, je vais donc finir de vous montrer le premier exercice. Donc normalement, vous êtes toujours en train de trottiner. Et on va s'asseoir face à face, de façon à ce que nos pieds se touchent. Avance un petit peu. Voilà, de toute façon, comme ça, on peut s'embêter un petit peu. On se tient bien droit, pas voûter le dos bien droit. Et avec cette balle, on va se faire des passes. C'est pas grave. Hop, alors on peut faire les passes droit, comme on peut faire les passes un peu sur les côtés. On peut rattraper avec une main, deux mains, et puis on peut aussi un peu embêter. Et le but, c'est de rester en équilibre. Donc on garde l'équilibre, on se fait des passes et on embête un peu, hop, son partenaire. Le plus grand, le papa ou la maman, se met comme ça, bras tendus, jambes tendues. Hop. Et le plus petit, il passe au-dessus et en dessous. Quand il passe au-dessus, il a le droit de mettre du poids et d'embêter le grand. Et à l'inverse, moi, quand je passe en dessous, j'ai le droit de l'embêter un petit peu. Hop. Alors, pour le quatrième exercice, vous reprenez votre chaussette et on va travailler un peu les jambes. On va faire des squats. Donc, je prends ma balle, je fais un tour. Quand j'ai fait un tour, je la donne à mon partenaire et moi, pendant ce temps-là, hop, je fais une flexion. Hop, à votre tour, tu fais une flexion. Voilà. Vous descendez là où vous avez vos habitudes ou vos capacités. Moi, je peux descendre jusqu'en bas, je descends jusqu'en bas. Hop, si vous êtes un petit peu moins fort, hop, vous descendez un peu moins bas. Voilà. Alors, pour les petits, c'est sur les genoux. Hop. Ou pour les grands aussi, hein, si ça fatigue. Hop. Sinon, si vous sentez capable, hop, sur les bras. J'ai la fameuse babale du début. Je la pousse à une main. Hop. Pendant que mon partenaire, là, moi, je fais une pompe. Je la récupère de l'autre côté. Hop, je change de main et je la renvoie. Et je fais une pompe. Alors voilà, je vous ai montré les 5 exercices. Hop, maintenant, ce que vous faites, c'est que vous enchaînez le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Quand vous arrivez au 5, vous recommencez au 1. Il n'y a plus besoin de trottiner. Normalement, vous êtes chaud. Et ça, vous allez le faire encore 4 fois. Ou 5 pour les plus forts. Ou 5 si vous sentez la force de faire un 5e. C'est à vous. Et là, vous n'arrêtez plus.